Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Problème qui gagne, je veux dire, c'est pas question de justice haïtienne. Parce que crime, nan, c'est pas un crime haïtien que lié. Crime sont un crime multinational que lié. Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est que, bien sûr, que juge d'instruction que vous mettez d'ailleurs, et Cabralis qui est ville, et qui est responsable principal pour bail et journal justice, il a besoin de moyens financiers, de support. Donc c'est là que faut le gouvernement tout. Fait ça à qu'on est pour qu'on ait un juge là, qui pratiquement c'est jusqu'à travailler sur le dossier. Là. Donc même, je ne vais pas me prononcer sur ça. Et, mais il faut que le juge là joue tout moyen moral et moyen financier, économique, sécuritaire, pour qu'il soit capable de mener à bien mission ça, mission historique ça que le bali. Ce n'est pas une mission facile. Mm-hmm. C'est pas un bail qui est fait. Et comme ça, libéralement de tout, parce que tout peuple haïtien, tout diaspora, et même étranger, tout. Parce que le crime, ça, c'est pas un crime qui choque haïtien seulement, il choque le monde entier. Mais même, il n'y a pas qu'un ami en dehors après, qui s'est passé dans le pays là. Ça veut dire que Haïti, nous, fait nouvelle pour les mauvaises raisons. Donc c'est pour ça que c'est excessivement important pour que nous comprenions deux bagages. Un, crime, ça, c'est pas un crime qui fait localement, et c'est pas un crime qui fait, son crime qui fait en Haïti. Mais, où gagne des Colombiens qui participent, où gagne des Haïtiens non américains qui participent, donc où gagne investigation qui a fait aux États-Unis, par FBI, où gagne firme qui paye Colombien, c'est aux États-Unis, oui. Donc, qui firme que les CTU, hein. Et m'a lu dans plusieurs rapports de presse que FBI a investigué. Ou bien des Haïtiens qui sont dans là. Ou bien tout des Haïtiens qui transitent en République dominicaine et en Équateur. Donc, ouais, ou bien Équateur, un fort contrôle, ou bien Équateur, ou bien Colombie, ou bien Haïti, et toi. Ou bien le transit de la République dominicaine, fait 4. Ensuite, ou bien les États-Unis, fait 5. 5 pays, écoute, son bail international, son bail multinational, et sous-garde bien 5 pays. Donc, ou bien 5 justices qui ont investigué indépendamment. Donc, ou bien un problème de coordination. Ok? Et moi-même, c'est pour ça que moi j'ai essayé d'éviter d'entrer dans la polémique, dans la voie montée. Parce que moi-même, de par formation, même pas dans la voie montée, bah mais polémique, bah mais à voir flèche sur le monde, il y a un dossier qui est la justice. La justice, il faut qu'on balle moyen, il faut qu'on balle espace pour le faire travailler. Il est excessivement important pour que le processus soit fait, pour que le processus soit pas biaisé. Et ça, excessivement important. Parce qu'en Haïti, et dans plusieurs autres pays, tout le Sénégal, il ne faut pas quitter la justice pour faire travailler. Donc ça, mais vraiment stress point ça pour me dire ben la justice la moyenne et puis quitter le travail d'un côté que raison principale pour une enquête parce que son crime multinational nous avons deux enquêtes internationales et nous pas faire pour que ben la persécuter pièce monde mais c'est juste une question de logique. Là, par exemple, nous demandons pour une commission d'enquête internationale. Et mais c'est justement pour éviter un pile d'envoyer monter dans la polémique que nous avons fait là. Vous avez deux cas de figure. Premier cas de figure, là, c'est que vous avez et ça, le tribunal spécial pour le Liban, que c'est Nations Unies qui a fait. C'est une résolution qui a été approuvée par le Conseil de sécurité et qui a été supportée par le gouvernement libanais. Et qui a été résultat. Et qui était impartial. Parce que impartialité, c'est une clé à la question ça. Pour que justement, nous sommes capables de jouer un vrai assassin.
impartialité à ce niveau qui clé pour une enquête professionnelle qui fait pour arriver à un vrai monde qui arrive à commettre assassinat. Donc, là, je dis à ou bien presque 44 monde qui dans prison, ou bien des nationaux qui mourent, et pour bien plusieurs monde tout qui n'a marron. Par exemple, sous un ancien sénateur John Joel Joseph, qui n'a marron. Sous un ancien juge Wendell Cook, du Kazera, qui n'a marron. Ou est Badjo, n'a marron. Ou bien Dodovja qui n'a marron. Et puis, m'a fin comprendre bien ça qu'a fait. Ok, pour essayer de capturer Mounsa, il y a combien d'opérations policières qui fait, par exemple. Nous pas au courant. Et puis, nous avons une conférence de presse chaque jour qui baille, vu la gravité de la situation. Et même pour les bâtonniers Montfilier devant, il y a plus de communication qu'a fait. Mm-hmm. Au niveau de la police. La police, là, tout est de communiquer pour dire, mais opération policière le fait, mais ça le fait. Et puis, pour que le public l'a senti, que il y a un suivi qu'a fait. Que gagne des actions qu'a mené, mais là on sentit que bah là comme si d'abord on tient en pause, on pas senti vraiment action qu'a fait. Et il faut que nous évitions tendance de politiser le dossier ça. Si nous regardons bien, comme haïtien, la très important pour petit nous, la très important pour famille nous, la très important pour nous toutes, pour nous connaître, pour nous arriver dans fond question, pour nous arriver connaître qui monde qui non seulement assassiné président, mais qui monde qui finançait et assassinat. Ça, c'est un point qui est excessivement important. Hashtag justice en créole pour Jovenel. Justice pour Jovenel. Et il y a un autre point encore qui est important que vous me faites dans la question. Ça, c'est que, comme haïtien, je pense que c'est excessivement important pour que nous pas quitter la crise. Ça. Parce que la crise, c'est une crise historique que nous avons passé là. Et ce n'est pas une crise qu'on seul monde qui a résoudre. C'est une crise que c'est ensemble qu'on résoudre. Parce que la crise que nous avons vécu là, nous avons pratiquement 30 jours. Nous avons un président qui a assassiné. Nous avons un tremblement de terre qui joue les jours d'hier. Pendant que nous avons parlé là, nous avons un cap dormi de yon. Que le la pi tombe, la pi a mouye famille, a mouye timounye. Le soleil a bat, maman, la bat papa, la bat timoun. Glo potap gen difficulté pour moi à cause de. Parce que une fois que l'humanité a passé, l'écrasé tout bagay. Ce n'est pas kaze, l'écrasé canalisation, l'écrasé tuyau, l'écrasé tout bagay. Ça veut dire que son situation, son double situation de crise dans le pays. Parce que en plus d'assassinat président, OK, gagne une destruction de 88 000 cailles qui fait dans le sud. Donc là, et c'est pas même une question de politique, parce que en réalité, mes amis, c'est haïtien mieux. Ça veut dire que nous-mêmes, si nous ne sommes pas un pays, si nous ne sommes pas essayer, si nous ne sommes pas penser avec nous, si nous ne sommes pas parler pour nous, si nous ne sommes pas créer ça avec nos advocacy, si on fait par exemple un bâton, ça sont advocacy liés, ça ils ont presque advocacy que lui. Ça veut dire que ou même moi aller comme porte-parole communauté, et puis on va regarder ça gagne, on va le filmer, on va prendre une vidéo pour passer sur les réseaux sociaux pour créer une sensibilisation. Donc, ça passe dans l'assassinat Jovenel là, et il est excessivement important pour que nous, toute génération qui a gagné la jeunesse qui a gagné la timon qui a grandi, que nous ne pas quitter que situation ça, que étrangers viennent continuer à manquer de dégâts. Parce que ça ne va pas bien, c'est que si ce n'est pas nous-mêmes, en haïtien, qui résout le problème, eh bien, blanc lui-même, blanc résout le problème, ça est bon pour lui. Tout à fait. Le moment bon pour lui. Yeah. Et nous, ça dans toute l'histoire, mais il y a. D'ailleurs, il y a plusieurs livres qui écrivent sur ça. Il n'est pas normal que y ait toute qualité comme ça. Et puis, il faut qu'il y ait une enquête de traçabilité. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de qui à qui banque. Qui je questionne l'argent, bah, c'est ça les boutiques. Donc tout bas ça, c'est des bas qui pour résoudre. Et c'est pour ça tout que assistance l'ONU est essentielle dans le cas ça. Parce que yo même moyen, yo gagne des outils, yo fait déjà dans notre pays. C'est pas la première fois yo cas ça. Yo c'est pas évacué mon cas aussi grave. Ok,
Parce que depuis 1967, pas de un président qui était assassiné. Depuis 1967. Yeah. Hein? Son bail comme si nous avons dans le monde entier. Yeah. Mais nous voyons que, et même forme exprimer déception hein, de gens que la communauté internationale là et accueilli question, prend question ça. Parce qu'on pas senti vraiment que mon effort qu'a fait pour bailler président justice. Base Brunner et d'office là pour renvoyer la poursuite de l'examen de l'affaire à la cour pour cette audience, ça se voit à l'audience de l'UQS. Thank you.
connaissez ça fait quelques semaines avant, comment nous voulons éradiquer la situation, la question gaz qui vend dans la rue, dans le galon, tout partout. Nous ne voulons pas dans la juridiction de Port-au-Prince que la bataille continue. Et c'est ça qui fait à travers pour que nous passions, tout côté nous passer dans le Carrefour, côté nous jouons le monde qui vend gaz dans le galon, nous procédons avec interpellation. Et ça fait nous aujourd'hui, nous avons 4 là que nous prenons. En attendant, nous avons passé toujours dans tout, oui, on a toute station gasoline. Quel que soit un bon piste, nous jouons cap vendre gaz. Nous avons arrêté, nous avons mené un paquet et nous avons bail de pour vous pour situation ça suspend. Nous voulons bail ça suspend dans la juridiction. Quel que soit un monde cap vendre. Et tout d'abord, et ensuite nous avons dit que nous avons invité les gens qui sont ses propriétaires, pompiers, nous avons invité au paquet pour nous bailler une mise en garde. Dans la situation ça de manière à ce que pour nous éradiquer le problème ça. Et nous pensons que nous continuons de travailler et nous travaillons jusqu'au bout, jusqu'à ce que Baraï Sahali suspende la juridiction. Merci. Il était normal, puisque il a été convoqué en policier par rapport à sa fonction. Par rapport à sa fonction, Lévini, Yotandil, Lili Saboudi, c'est M. Vincent. Pas Vincent, non? C'est M. Cicéron. Mm-hmm. C'est M. Cicéron, Utandil. Mais je n'ai rien à dire puisque l'instruction est secrète. Donc, je suis tenu par le secret de l'instruction. Oui, mon frère, dis-nous, qui unité de l'État IGPN. Ça fait quelque temps, train insécurité a perdu frein dans tout le pays. Mais il passait à plus de vitesse dans la région métropolitaine Port-au-Prince, côté il fait victime toute qualité. Victime ça a sorti dans tout groupe qui composait société à temps coup, la police, secteur religieux, secteur affaires, étudiants et latriers. Insécurité à Cap Valley terrain, c'est absence politique, sécurité l'État central. T'es doué, acte à doué défini pour croire, escadron en mort, Cap Simendeil dans la famille haïtienne, sans qu'elle saute. Je dis à syndicat policier haïtien, levé voile bien haut pour dénoncer le climat la terre qui blaillit sous Port-au-Prince, qui fait comprendre que la police n'a pas existé, en plus, il n'y a pas qu'à contrecarrer l'élément qui a troublé l'ordre public. Une politique sécurité bien définie, t'es doué acte ta doué philosophie principale l'État central là pour établir la paix tout côté dans le pays. La raison politique sécurité ça, c'est parce que l'insécurité a pas fait exception en plus tout le monde victime. Dans le point ça, c'est de voir l'État central pour développer bon genre stratégie, accompagner avec moyens pour adresser le problème ça, qui durait trop longtemps. Dégradation climat sécurité ça dans pays a pas commencé hier ni jodi a. Dans sens ça, si pas gain rien qui fait, c'est pour une société chien manger chien pis douvant dans pays a. Syndicat national policier haïtien yo Sinapoa a toujours encouragé toute formule et stratégie qui allait dans intérêt peuple haïtien pour résoudre le problème d'insécurité, parce que une société n'a pas qu'à évoluer dans le terrain à quai sauté. Nous tous constatons qu'il y a un problème de communication dans le plus haut niveau dans la police. Le syndicat national policier haïtien au Sinapoa dit qu'une institution qui a une responsabilité pour faire un travail et puis peut-être là pas développer une stratégie pour faire travail ça, ça veut dire qu'il y a un gros problème. Problème n'est pas grave. Problème n'est pas grave, comme ça tout le cas simple. Chita parlé entre l'état-major, la police, là, axilaio, qui n'a plus bas niveau pour résoudre le problème ça à travers un canal de communication qui l'a pour ça. Syndicat national policier haïtien a demandé entente en dedans la police là, qui c'est une institution qui est responsable de sécurité dans le pays, là, qui sont en mauvais pente, qui baille en pile inquiétude. Mission de la police, c'est pour protéger accès vie, non pas qu'à quitter problème monde à affecter fonctionnement institution.
y a un groupe qui parlait de démission du directeur général de la police, là, une manière pour résoudre le problème d'insécurité dans le pays. Je ne veux dire si pour quoi, ce n'est pas changer le directeur général qui a résolu le problème. Yo. Mais le syndicat national policier haïtien a demandé sérénité, dialogue pour lever escamfigué institution qui prend en pile patasouel dans le dernier moment. Patasouel ça yo, pas prendre directeur général seulement. Il prend tout élément qui fait partie de l'institution parce que c'est uniforme qui identifie les gens qui sont dans l'institution. L'institution a mal fonctionné, il a affecté tout le monde. Le syndicat national policier haïtien a demandé directeur général. La police a une responsabilité parce que mission, c'est le résultat. C'est sa population à attendre. C'est pas un coup de mode pour la presse à présentation de quelques individus nuisibles devant la caméra de la presse. Le travail doit aller plus loin que ça. Changement dans la tête la police là, pas de résultat, en pile monde qu'a interprété de façon pareille. Des derniers changements qui fait dans l'année qui sont passées dans la police là, t'as doué interpeller conscience nous tous pour demander. Est-ce que c'est problème monde qui gagne dans l'institution? Syndicat national policier haïtien yo, dit, yo travail politique qui doit faire dans le secteur qui composé société a pour libérer voie la police là qui a fait travail comme ça doit parce que la population a souffert trop. Policiers a mouru, zak enlèvement, déblosaï, tribo, babo, ak moun kap déserté quartier côté yo habité, signal ça clair qui montrait que CSPN nan joué doit jouer rôle et puis tout sous qui colle. Pour nous finir, comme proposition, syndicat national policier haïtien a demandé pour CSPN et la direction générale de la police là, pour faire pour évaluer l'État et puis chercher moyens financiers pour la guerre coucouille derrière les criminels, tout primaire, qui va jamais suspendre, mettre de l'eau dans la population haïtienne. Non? Syndicat national policier haïtien aussi n'a pas demandé pour CSPN création d'une unité tactique à combattants pour engager bataille contre gang de façon pour résoudre problème de sécurité dans le pays. Baille nouvelle unité ça toute qualité moyen pour remplir mission comme ça doit. Unité ça doit rester loin influence politique parce que influence politique crasée causée effondrement unité tactique collée au pas à caserne des Salines. Même influence ça, t'as pral débouché sous démantèlement l'armée d'Haïti parce que c'est ouais pour politiciens pas ouais pour yo pas simen zizani ak fetif ti dife volant. Réviser matériel immobilier à coulant la police a gagné, yon manière pour le bail résultat parce que causer moyen toujours rete yon handicap cap malmené police nationale d'Haïti. Réviser, ajouter ou bien changer uniforme la police parce que dernier moment ça yo nous tendait comment quelques éléments qui habillés avec uniforme la police a commettre zak malhonnête sous population. C'est ensemble de mesures ça yo accompagnement à l'autre encore l'état central à autorité dans pays a dans tête la police a ta doit prendre pour descendre tension et puis résoudre problème insécurité a. Dans tout pays, pas oublier l'insécurité, c'est en collaboration avec la population, ça doit être fait. Dans ce sens, le syndicat national policier haïtien au Sinapoa a encouragé chaque citoyen, by la police, bon gens, information pour nous capables d'arriver à croire les actes criminels. Je regarde là, ça c'est un rapport, c'est 1er janvier au 30 septembre 2021. Que Sinapoa pral soumettre la direction générale de la police qui a un ensemble de recommandations là-dedans. C'est juste pour nous capables de dire que Sinapoa fait travail par là lui-même,
eh bien, nous allons déposer rapport à la direction générale de la police là, avec ensemble de recommandations nous yo, pour être capable de connaître qui ça yo doit faire parce que condition Jean-Bagay yo est là, yo pas bon. Et nous voulons mettre la population au courant que Sinapoa a travaillé. Nous voulons mettre les policiers au courant que Sinapoa a travaillé. Aujourd'hui, nous venons parler avec Ariel Henry directement. Peuple, on va travailler depuis 36 mois pour ne pas toucher. Aujourd'hui, tout le monde qui va toucher, va toucher. C'est ça que nous venons dire aujourd'hui. La bataille est comme étoffe et la carré jusqu'à ce que tout le monde touche. Ça fait nous créer un mouvement ça aujourd'hui, c'est parce que le ministère de l'Intérieur n'a pas de monde qui a dirigé. Ça fait moi dire ça, c'est parce que nous avons 36 mois qui ont doué nous, ils n'ont pas jamais payé nous. Nous avons demandé autorité ça qui est dans le ministère de l'Intérieur. Nous avons demandé tout. Nous demandons les nominations, premièrement. Deuxièmement, nous demandons 36 mois de nous en plus capable de payer nous. Tant pis, c'est ça que je dis. Je dis à nous venir nous camper, nous bouquer comme ménager ministère de l'Intérieur. Comme garçon, nous camper pour nous gommer. Parce que nous avons 36 mois, nous n'avons pas payé nous. Nous n'avons pas dit nous ça n'a fait. Nous venons là lundi à vendredi notre travail. C'est nous qui avons nettoyé les boîtes là. Non. 7e, non, 8, non, 1er arrivé, non, 8e, non, nettoyer les boîtes, non, pas champagne. Pas de ministre qui dit nous, hein, pas de directeur général qui dit nous, hein, parce que nous travaillons. Chaque matin, nous venons là, nous lever, nous venons travailler. Nous besoin aujourd'hui, nous camper, nous ne pouvons pas beaucoup. Petit, nous ne pouvons pas à l'école, nous ne pouvons pas payer caille. C'est dans la rue d'abdomen, nous ne pouvons pas manger. Monsieur Islan, comme on connaît, monsieur là, il est à genoux, il est frappé, pas à pied, il n'est pas frappé à pied, pas chez Islan. Et l'école, particulièrement, c'est des espaces qui nous frappent à pied, et nous perdons. Il faut 5 gros sacs et les pépoliers noirs. Et par exemple, nous avons appelé l'école qui nous suit la compte de plus bon résultat. Et appelé tombé là d'ailleurs. Heureusement, ça n'a pas fait toujours pour les classes. L'école n'a pas fermé. L'école n'a pas fermé. Et l'école l'État autour, il faut frapper en pile. Bon, je dis à là, l'école ça n'a pas couru ouvert. Mais il y a certaines écoles dans la ville là, pas tellement frappées, et qui l'ont ouvri, et pour les jours retournés ouvri. Et il y a une solidarité qui est développée entre l'école, côté une école logique, l'autre école qui a des problèmes. Ça veut dire parce que l'année académique, malgré toutes les difficultés que nous avons, de commencer semaine d'archer. Nous frapper démarche parce que le problème qui vient encore entre nous-mêmes, les gens, situation frappée, il y a déjà nos situations vraiment. Et pas de gros possibilités, c'est avec nous jeunes de partenaires et qui commencent à aider dans la question du des pour capable de nous capable pas perdre l'année. Gagner des associations, par exemple association de banques, je vais des têtes ensemble, il y a construit des hangars policiers Philippe Guerrier. Nous gagnons des partenaires, tant pour UNICEF, tant pour appuyer l'autre partenaire qui a œuvré dans le domaine d'éducation en tout, qui a fait un pile d'efforts et pour garder nous sommes capables de réussir. Année scolaire ça. Et l'État, beaucoup de parle à travers SNE, vous y faites des visites sur le terrain pour garder au moins qu'ils ont permis de mettre le plus rapide possible de certaines écoles, pour capable, écoles publiques, pour capable de commencer à fonctionner comme ça doit être. Pour le moment, je suis planiné, mais le ministère de l'Éducation nationale, à travers inspecteurs et industriels, inspecteurs et principales, c'est au même type d'évaluation, parce que l'évaluation, c'est une évaluation que vous faites sur tout le département, c'est une évaluation partielle au niveau du local seulement, parce que le tableau de l'État, spécifique de là, et même, c'est que, section rurale, nous allons aussi frapper et que ça peut venir au cas et la majorité de l'école là, sauf l'école qui a difficulté ou qui a solidarité avec notre école, nous avons frappé et capé rien. Il y a certaines écoles qui commencent à fonctionner. Et dans chaque commune, il y a des écoles qui commencent à fonctionner. Nous faisons des efforts quand même, parce que nous avons envie de manier, mais il y a des commencer à faire des efforts pour commencer à ouvrir l'école là, le cas de stop, malgré les difficultés qui viennent. C'est une barre, on a discuté depuis après le tremblement de terre là. Et ces problèmes de décapitalisation, nous avons perdu le terrain, nous avons perdu l'effectuel agricole là, que les dames famouilles, c'est eux-mêmes qui gagnent l'économie en Amérique, c'est eux-mêmes qui ont payé l'école pour petit tour, et infrastructures agricoles frappées. Mais nous-mêmes, nous demandons pour pouvoir être capables de recapitalisation. Parce que nous parlons de ça, partenaire. Nous disons tout que nous sommes des bagages qu'il y a bien fait, puis nous faisons avec les deux groupes. Pour nous, nous sommes capables de bénéficier, puis pour l'économie locale, là, capable de remembrer. Par exemple, si nous avons un bon, nous sommes capables de bénéficier. Et si nous avons un bon, nous sommes capables de bénéficier. Et si nous avons un bon, nous sommes capables de bénéficier. Et si nous avons un bon, nous sommes capables de bénéficier. Et si nous avons un bon, nous sommes capables de bénéficier. Et si nous avons un bon, nous sommes capables de bénéficier. Et si nous avons un bon, nous sommes capables de bénéficier. Et si nous avons un bon, nous sommes capables de bénéficier. Et si nous avons un bon, nous sommes capables de bénéficier. Et si nous avons un bon, nous sommes capables de bénéficier. Et si nous avons un bon, nous sommes capables de bénéficier. Et si nous avons un bon, nous sommes capables de bénéficier. Et si nous avons un bon, nous sommes capables de bénéficier. Et si nous avons un bon, nous sommes capables de bénéficier. Et si nous avons un bon, nous sommes capables de bénéficier. Et si nous avons un bon, nous sommes capables de b
condition pays à peut nous dire mon problème nous même dans cela parce que le problème quand on prend c'est couper avec les ressources là travers insécurité ça qui gagne dans ma assise ça permet que le commerce a une difficulté pour entrer et puis commerce est cher et manger et monter bon problème de carburant taxi qui mené et si nous à l'école jeudi à la obligé et taxi à monter parce que nous avons difficulté de jeune carburant c'est tout bas ça qui mettait nous en difficulté qui t'a supposé et corriger pour nous capables de garder pour relancer et pour nous capables d'un bon moyen à mettre pour aider les gens de l'école. Et malgré que vous faites effort pour aller là, mais c'est avec un peu de difficulté pour faire effort pour aller. Mon capitaine est autour et nous avons extrême besoin, c'est accompagnement psychologique pour les gens. Et nous avons besoin d'accompagnement psychologique pour les gens, pour les professeurs, parce que après les professeurs classiques, et nous avons besoin d'accompagnement ça, mis à part de l'économie pour remonter, mais accompagnement social est très bon pour les gens capables de bénéficier de lui, parce que si nous avons aussi sous la caillou, dans le béton, on parle de l'école béton encore, je suis avec stress de probablement de là, nous besoin d'accompagnement psychologique. Et puis faire des formations pour boss nous et ingénieurs nous pour nous capables de construire de l'autre façon. La direction de l'école nationale de Berquin se sent heureuse et flatteuse d'avoir été sélectionnée parmi plusieurs centaines d'écoles de cette catégorie pour lancer le projet des cantines scolaires dans le pays. En ma qualité de directeur de cet établissement, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. L'établissement que vous recevez aujourd'hui a été fondé en 1996 sous le nom de l'école communautaire de Berquin par des jeunes de la localité qui ne voulaient pas rester inactifs devant le taux croissant d'enfants non scolarisés de la zone. Dans le cadre du programme de nationalisation du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, il est transformé à l'école nationale de Berquin en 2014. Grâce à un support de la coopération de Suisse, ce local a été construit. Aujourd'hui, l'école nationale de Berquin a un effectif de 413 élèves, soit 198 filles et 215 garçons. L'école nationale de Berquin, comme vous le voyez, a son lot de problèmes. Deux ménagères travaillent tous les jours pour aider l'école à maintenir sa beauté, travailler plusieurs années sans l'aide de nomination. Toutes les démarches effectuées auprès de l'instance concernée sont restées sans succès. Il est évident de même pour certains professeurs qui travaillent au-delà du temps qu'ils devaient travailler, mais qu'ils n'ont rien reçu de l'État. Comme le proverbe le dit, vente affamée n'a point d'oreille. Il est évident pour tous qu'une alimentation représente l'un des moyens importants dans la chaîne éducative. Au nom de tous les élèves, en particulier ceux de l'École nationale de Berquin, je remercie le gouvernement, que dirige le docteur Ariel Henry, qui a fait choix de l'École nationale de Berquin pour lancer le programme de cantine scolaire de l'année académique 2021-2022. Nous, les élèves de Berquin, qui sommes bénéficiaires de ce programme, présentons nos remerciements au gouvernement qui a pensé à notre établissement. Nous remercions d'une façon spéciale les responsables du PAM, de l'ambassade du Canada, et tous ceux qui ont contribué dans la réalisation de ce projet. Nous vous serons très reconnaissants. À la suite du tragique tremblement de terre du 14 août dernier, le gouvernement et ses partenaires de mise en œuvre ont travaillé sans relâche pour que l'année scolaire puisse redémarrer et que les écoles couvertes par les programmes d'alimentation scolaire puissent recevoir les vivres permettant le bon fonctionnement de la cantine chaque jour.
Il n'a jamais été aussi important pour ces enfants que de recevoir les pas nutritifs quotidiennes au moment où le Grand Sud est encore sévèrement affaibli. Dans les contextes de crise, nous savons que les enfants font partie des populations les plus vulnérables et en conséquence les plus impactées. Selon les chiffres évoqués lors du lancement de l'année scolaire, dans le Grand Sud, le 4 octobre dernier, plus de 230 000 enfants risquent d'abandonner l'école dans la région si rien n'est fait dans les plus brefs délais. Les programmes de cantines scolaires ont un impact démontré sur les taux d'inscription et de fréquentation des écoles. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, il est primordial que les écoles, comme celles où nous nous trouvons aujourd'hui, puissent recommencer à servir un repas chaque jour aux écoliers d'Haïti. Selon les dernières estimations du PDNA, l'évaluation nationale post-désastre, plus de 1240 écoles sur les 3259 que compte la Grand'Anse, le Sud et le NIP, c'est-à-dire près du 40%, ont été détruites ou endommagées par les séismes. Il est du devoir de tous les acteurs de la zone de faciliter au plus vite la reprise des cours. Les écoles qui n'ont pas pu rouvrir leurs portes le 4 octobre doivent être reconstruites ou réhabilitées sous le leadership du gouvernement et avec le soutien de ses partenaires techniques et financiers. Mais parallèlement à la reconstruction d'écoles, le gouvernement et ses partenaires sont mobilisés pour trouver des alternatives pour les enfants touchés par le tremblement de terre. Les PAM, par exemple, grâce au financement d'Education Cannot Wait, Éducation sans délai, et de la France, s'apprête à élargir la couverture de son programme de cantine scolaire, fait des concerts en coordination et ensemble au PNCS, à 20 000 élèves supplémentaires pour cette année par rapport à l'année antérieure, sur les trois départements. Ce qui s'ajoute aux 53 000 élèves qu'on couvre déjà dans les NIP et la Grand'Anse et on continue à supporter grâce à l'appui des États-Unis, USDA et du Canada. Aujourd'hui, les besoins sont immenses et c'est dans tous les secteurs. Mais les partenaires se mobilisent aux côtés du gouvernement pour trouver des solutions innovantes et pérennes qui permettront aux écoliers haïtiennes de retrouver le chemin de l'école et un repas dans leur assiette. Selon le programme alimentaire mondial, aucun enfant ne devrait se rendre à l'école le ventre vide. Car des études ont révélé que les enfants ont plus de difficultés à apprendre s'ils n'ont pas accès à une alimentation de qualité nutritionnelle et de qualité suffisante et qu'un repas scolaire favorise l'apprentissage permettant aux enfants de se concentrer sur leurs études plutôt que sur la provenance de leur prochain repas. Ainsi, mesdames, messieurs, la cantine scolaire agit directement sur la dimension psychopédagogique de nos élèves. Pourtant, malgré la bonne volonté du gouvernement haïtien, doter les écoles du pays de la cantine scolaire s'avérerait une action difficile. Heureusement, nous avons en Haïti des institutions nationales et internationales qui sont toujours prêtes à voler à notre secours en offrant un plat chaud à nos apprenants. Et c'est justement dans cette perspective que nous sommes ici aujourd'hui. En effet, comme vous le savez tous, le département des NIP a été sévèrement frappé par le séisme dévastateur du 14 août dernier. Voilà pourquoi le projecteur a été porté sur ce département parmi les trois départements touchés par la catastrophe dévastatrice en vue d'accompagner les familles et les institutions scolaires. Ainsi, comme vous venez d'entendre, à travers les différentes prises de parole, on est venu assister au lancement officiel de la cantine scolaire dans le département.
la mairie de Miragouane, dont j'ai l'honneur de diriger, se sent heureuse d'accueillir et de participer à la cérémonie du lancement du programme national de cantine scolaire pour l'année académique 2021-2022. Face à la situation difficile dans laquelle se trouvent les parents haïtiens, en particulier ceux de la cité de Fernand-Hubert, la commission municipale de Miragouane accueille à cœur ouvert cette initiative du gouvernement visant à donner aux élèves un plat chaud au quotidien. Comme a si bien dit l'autre, déjà utilisé par le directeur de l'école et celui de l'éducation des NIP dans leur intervention, l'alimentation représente un élément clé dans l'apprentissage des élèves. Aider les parents qui ont les possibilités de donner à manger à leurs enfants est une démarche qui est saluée par tous. L'administration communale de Miragouane souhaite que toutes les entités concernées fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour que toutes les écoles indistinctement soient incluses dans ce programme. La mairie de Miragouane en appelle aux directeurs d'école, agents du PNCS, du BND, déployés sur le terrain, à ce que les aliments envoyés dans les écoles soient distribués aux élèves comme c'était prévu. Aux organisations non gouvernementales qui ont leur partition dans l'élaboration jusqu'à l'exécution de ce projet, la mairie présente ses remerciements tout en souhaitant qu'elle continue en ce sens pour aider à l'amélioration de la qualité de l'éducation dans le pays. Il me revient l'honneur de procéder au lancement des activités de cantine scolaire pour l'année académique 2021-2022. Toutefois, c'est avec un sentiment mitigé que je m'adresse à vous aujourd'hui. De côté, je suis animée par une certaine euphorie du fait que les différentes entreprises effectuées par le PNCS de concert avec les autres opérateurs s'annoncent prometteuses pour la cantine scolaire. De notre côté, une certaine impuissance me ronge au regard des dégâts infligés par le séisme et les intempéries à la population du Grand Sud. On ne cessera jamais de le répéter. L'alimentation scolaire, en plus d'être un outil important de protection sociale, contribue à la dynamique d'extension de l'éducation. Cependant, les ressources disponibles pour ce sous-secteur ne sont encore à la hauteur ni des besoins ni de nos ambitions. Toutefois, vous admettez avec moi que les efforts appréciables qui ont été consentis permettent d'envisager l'avenir avec espoir, puisque les écoliers doivent manger dans la dignité. Timounio doit manger dans la dignité. Depuis que j'ai pris les rênes du PNCS, mon équipe et moi, nous nous sommes attelés à renforcer l'institution. Ainsi, différents outils visant à redynamiser l'institution ont été élaborés à l'intention des employés et cadres du PNCS, dont celui du suivi et de l'évaluation, celui de l'employé, celui de la procédure et d'exécution budgétaire qui définissent leurs tâches et l'étendue de leurs actions, des séances de formation du personnel en ressources humaines et des agents de suivi ont été réalisés afin d'intensifier leurs capacités, afin de mieux répondre à notre mission. Notre mission qui est, ou mission nous qui c'est, mettez yon plat manger chaud sous table chaque timoun
ou bien devant chaque petit monde dans l'école yo chaque jour. Une matrice de rapportage des opérateurs du sous-secteur de l'alimentation scolaire et une grille d'évaluation des écoles ont été conçues en vue de renforcer les liens avec les partenaires et les bénéficiaires du programme national de cantine scolaire. Notre intervention en tant qu'opérateur a permis, ou de concert avec nos partenaires, a permis de desservir durant l'exercice écoulé un effectif de 807 350 élèves dans 3367 écoles à travers les 10 départements du pays. Compte tenu de la situation du Grand Sud, pour l'année académique 2020-2021, on avait desservi 132 179 écoliers dans le Grand Sud. Mais compte tenu à la situation du Grand Sud en ce moment, de concert avec les partenaires, on va augmenter de 56 000. Donc PAM va couvrir 20 000 et FNE, Fonds National de l'Éducation, 36 000. Qui nous fait 56 000 d'augmentation pour l'année académique 2021-2022. Certainement, beaucoup reste à faire eu égard à l'ampleur et à la complexité de l'entreprise. Toutefois, des signaux importants ont été lancés et devraient être perçus comme l'expression d'une volonté manifeste à moyen et à long terme. L'accent devra être mis sur l'augmentation du nombre de bénéficiaires qui devra avoisiner 1 400 000 bénéficiaires, sur la diversification des menus, sur l'introduction d'un snack et des légumes dans l'alimentation en vue de permettre aux élèves d'exprimer leur plein. Je dis à moi inviter nous dans la signature à compartenariat à CODAN, qui est la coalition des organisations de la diaspora haïtienne, qui est représentée par le président M. André Pierre Raymond Junior. Ça fait 3 organisations, le ministère a signé un compartenariat à CUO. Après Fédération haïtienne de la diaspora, et bien Human Resources All Right. Dans quel objectif nous avons signé un COSA? Dans la diaspora, il y a plusieurs centaines d'organisations qui travaillent en faveur haïtien, n'importe côté où il est. Il est normal pour le ministère à connaître, travailler avec eux et puis orienter les intervenants en Haïti. C'est pour ça que nous avons signé un copartenariat avec eux pour qu'ils aient des outils légaux, avec une légitimité pour intervenir ici pour l'autre bord de l'eau. En faveur diaspora. Yon l'autre côté, signatia accord partenariat ça implique plus diaspora à travers organisation sa yo dans la vie politique pays ya. C'est-à-dire ba yo droit pour yo voter, droit pour yo candidat pour gen représentant dans conseil électoral et la trier. C'est donc à un pile plaisir nous bral signer accord ça à coalition organisation diaspora haïtien qui c'est CODA. Accord que nous signons, premier accord que le ministère a signé, c'est avec la Fédération haïtienne de la diaspora. La fédération regroupe une centaine d'organisations. Et nous faisons avec Human Resources All Right, Haitian Diaspora Resources All Right, qui lui-même tout, c'est une organisation qui recrute sacré les ressources humaines, Jean et M. Pierre-Raymond Soudil. Et CODA, c'est même bagaille.
Donc à travers organisation ça que nous-mêmes si un accord cadre ça organisation ça capable de rejoindre son façon pour rentrer d'emblée dans ça que nous-mêmes nous voulons faire. Donc toute organisation ça qui a proliféré nous une seule façon que nous-mêmes nav nous capable représenter, nous aider à représenter, c'est le regrouper ensemble à travers soit des organisations qui existaient déjà, ou bien eux-mêmes, ils mettent tête ensemble, ils font organisation par eux, et puis nous-mêmes, nous travaillons avec eux. Je dis en avril longtemps qui demandait à ce que, par les petits de eux, tout petit Haïti doit être ensemble pour défendre les intérêts du pays. Nous croyons que Haïti possible, qu'on a toujours parler de ça. L'autre Haïti possible dans la mesure où nous faisons accompagner, nous faisons ensemble avec les Haïtiens et les Haïtiens de bonne conscience. Je dis à tout d'âme, à quoi qu'un sac de Brasilien, il va nous permettre à travers ton, identifier les organisations de la diaspora, identifier des ressources, tant au niveau de matériel, tant au niveau de l'intellectuel, nous connaître au niveau de la diaspora dans toutes les ressources. Donc une opportunité. Je dis à mon point que à travers l'intégration pleine et entière de la diaspora haïtienne, nous sommes capables de porter bien dans la nouvelle constitution haïtienne. Je dis à l'Haïti passé un temps qui est troublé, un temps qui est difficile. Nous croyons ensemble, nous avons sorti Haïti dans le bien. Et qu'on a continué la mission ça pour permettre que la diaspora capable d'intégrer plus dans le pays. Nous croyons que le pays a besoin de petit. Nous souhaitons que la mission que nous baillons nous avons été capable de pitié. Assez souvent, il a parlé surtout de réforme de l'État. Il a parlé de réforme de l'État côté que, d'une fois, il y a quand même besoin des compétences, il y a quand même obligé de passer par USAID, tant d'institutions internationales pour permettre à ceux qui sont capables de joindre des experts, expertise. Soit on a quelque chose à vous-même que qu'on a besoin maintenant de réagir. Mais nous connaissons au niveau de la diaspora, d'une compétence, d'une expertise, ça, et qui a bénéfique non seulement pour l'État haïtien, mais aussi pour montrer que l'intérêt pour la diaspora pour intégrer la vie sociopolitique haïtienne et dans quelques aspects là. Donc je veux dire, à travers accord, ça nous permet que nous garantissons, nous officialisons un accord, un partenariat qui vient souder et qui permet quel que soit domaine où nous chacun compte qu'on a besoin de ministre pour être capable d'intervenir et pour être capable de besoin au niveau de la diaspora, qu'on a apporté volontiers pour être capable de faire permettre sa couloir, ça, capable de réalité et quel que soit jeune capable de besoin de travailler ministre. Et si bon notre bagage nous capable de faire, nous connaissons que nous avons un accord qui soudé un partenariat avec le ministère là, qui a permis de rendre travail nous de l'organisation de la diaspora et avec le ministère qui vient d'en garantir pour le travail passé. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour nous. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.